vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Alors aujourd'hui, je ne laisserai pas de place à la peur ou à l'échec. Je n'accepterai aucune trace d'indifférence dans mes attitudes ou mes actions. Je rejetterai la complaisance et j'adopterai la grandeur de ce que Dieu a mis au plus profond de moi. Je ne gaspillerai aucune opportunité de glorifier Dieu et je ferai prospérer tout ce qu'il m'a confié. Je vais me battre. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi spirituel qui s'oppose à moi. Je tracerai une ligne de combat et ferai face à mon ennemi avec détermination. Mon ennemi se bat contre moi parce qu'il a peur de celui qui vit en moi. Et chaque fois que je lui résiste, il doit fuir avec terreur. Chaque fois qu'il me rappelle mon passé, je lui rappellerai son avenir. Je n'essaierai pas de trouver des excuses, car à travers chaque épreuve, je trouverai la voie à suivre. Je ne différerai pas mon progrès. Je ne mettrai pas plus tard ma destinée. Je ne renoncerai pas quand je serai faible. Je ne lâcherai pas si mes circonstances changent pour les pires. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me battrai. Même si je perds une bataille, je sais que je vais gagner la guerre parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je rejetterai les mensonges qui s'attaquent à mes pensées, qui disent que je n'ai pas ce qu'il faut, que le meilleur est derrière moi et que seule l'humiliation m'attend. Le diable est un menteur et mon Dieu me rend toujours vainqueur par Jésus-Christ, mon Seigneur. Je vais me battre. Je n'ai pas honte de représenter un royaume qui est inébranlable. Personne ne pourra se tenir contre le plan que Dieu a pour moi tous les jours de ma vie. Avec mon Dieu, je vais aller contre les troupes en armes. Avec son aide, je franchirai chaque muraille. Malgré le fait que mes ennemis m'entourent, je sais que mon Dieu entoure mes ennemis. S'ils viennent m'affronter par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Car toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et chaque esprit malfaisant qui se soulève contre moi, je le condamnerai. Je me battrai. Mon cœur est résolu, mes yeux sont fixés vers celui qui est mon but. Dans les voies du Seigneur, je suis toujours dans l'abondance et mon potentiel est illimité parce que le Dieu sans limite vit en moi. Je me battrai, la croix est devant moi, le monde derrière moi. Je ne ferai jamais demi-tour, je n'abandonnerai jamais, je ne m'accommoderai jamais, je n'arrêterai jamais. Je vais courir vers le but. Vers le prix qui est déjà le mien, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Et si mon Dieu est pour moi, qui peut être contre moi avec succès? Je me battrai et je vaincrai.